20h20, c'est l'heure de retrouver Mathieu Noël pour la télévision. Alors Mathieu, regarde quoi ce soir? Ce soir, Marc-Olivier, l'événement est sur TF6, soirée Bruce Lee à l'occasion des 30 ans de la mort du maître des arts martiaux. Mmh. Il aurait eu 70 ans cette année et la question qu'on se pose tous, c'est bien sûr, à quoi aurait ressemblé Bruce Lee à 70 ans? Eh ben à ça. Mais vous allez vous arrêter. Ah bah oui, mince, c'est en chinois. Bon bah tant pis, ce soir on regarde France 5 alors. En plus c'est jeudi. Ah oui, et qu'est-ce qu'on zappe ce soir? L'interview ce de soir, Liliane. On zappe d'abord envoyé spécial. Oui, on zappe d'abord envoyé spécial sur France 2. Au sommaire, un sujet édifiant sur, je cite, les pratiques abusives de certains propriétaires qui imposent des obligations de plus en plus délirantes à leurs locataires. Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Garçon, fille. De genre mélange. C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement de choix. Et en même temps, il faut être fou pour louer Jean-Pierre Marielle, ça je l'ai toujours dit, hein, Julie. Le deuxième sujet s'intitule « Bouddha contre bulldozer ». Je vous lis le pitch. Dans la campagne afghane, les archéologues ont découvert une cité antique exceptionnelle, malheureusement menacée par une entreprise qui veut exploiter le sous-sol. Un vrai scandale. Oh là là, mais quelle horreur! Couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre! Eh oui, Pierrot, je crois que c'est ce qui va se passer. Je rappelle au passage pour nos jeunes auditeurs la définition précise du mot archéologue. Attention, à vos calepins, les enfants. Un archéologue est une personne qui met dans des caisses le produit de ses fouilles. Tout bêtement. C'est une contrepétrie. Hein, pas du tout. Bien voilà. Sûr, ça, c'est pas mon genre. Il y a une grime en houille, c'est pas dur. Ouais, ça se passe toche. On regarde France 5, donc. La grande librairie remonte un peu le niveau. Grenouille, farfouille, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Attention, attention, on élève le niveau. La grande librairie consacrée ce soir à un génie de la littérature. Seul romancier à avoir obtenu 2 prix Goncourt, Romain Gary. Je vous lis le descriptif. Après avoir rédigé 19 romans, dont Les Racines du Ciel, Goncourt 56, Romain Gary éprouve un jour le sentiment de ne plus surprendre ses lecteurs. Il décide alors de prendre un pseudonyme, Émile Ajar, et c'est sous ce nom qu'il obtient à nouveau le Goncourt. Fascinante destinée littéraire qui n'est pas sans rappeler celle d'un autre géant des lettres, Marc-Olivier Fogiel. Ils vont me lâcher, ouais. Après le succès de son dernier livre, À mon tour d'être sur le grill, lui aussi a ressenti ce sentiment de lassitude. Alors pour son prochain ouvrage, ce coup-ci passez-moi au micro-ondes, lui aussi a décidé de prendre un pseudonyme, vivement encouragé d'ailleurs dans ce sens par son éditeur, on ne sait pas pourquoi. Désormais, il signera Olivier-Marc Gielfaux. Et son roman autobiographique retracera les différentes étapes de sa carrière journalistique, de ses débuts de grand reporter en Afghanistan à la remise émouvante de son prix Albert Vesoul, équivalent du prix Albert Londres pour les journalistes de moins d'1m60. Bref, un futur best-seller, comme en témoigne la réaction de son éditeur lorsqu'il a découvert les premières pages du manuscrit. Je fais cette merde. Non, ça surprend au début, mais c'est toujours comme ça avec les écrivains qui sont en avance sur leur temps, forcément. C'est pour ça, Marc-Olivier. À bientôt, Mathieu. Vous passerez au service du personnel. Oui. C'est gentil d'être passé. Adieu, Marc-Olivier. Adieu, Mathieu. On va débriefer la matinale.